Nous avons invité donc à participer à cette conférence à l'occasion des 45 ans de l'OFAJ. Le traité international créant l'Office franco-allemand pour la jeunesse a été signé le 5 juillet 1963 par le général de Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer. C'était une mise en forme directe d'un des paragraphes du traité de l'Élysée, signé lui le 22 janvier 1963, c'est-à-dire 6 mois avant, prévoyant la création d'une organisation qui, spécialement à destination de la jeunesse, s'occuperait de la réconciliation franco-allemande. Il y a donc des groupes de travail dans lesquels vous vous répartirez et dans lesquels vous pourrez dire ce que vous attendez de l'OFAJ, ce que l'OFAJ peut faire dans les années à venir. Il faut aller encore plus loin et il faut vous donner la parole de manière à ce que vous puissiez nous dire quelles sont les attentes que vous avez vis-à-vis de nous. Les relations franco-allemandes, ce ne sont pas des relations du passé comme on entend parfois, mais au contraire des relations d'avenir très importantes, en particulier dans une Europe à 27. Ils sont maintenant 300. 100 von ihnen haben heute schon den ganzen Tag gearbeitet. Wir haben den Tag vorgeschaltet, damit die Multiplikatoren, die Akteure morgen auch einen vernünftigen Input haben. Deswegen haben wir die Jugendlichen gebeten, heute schon mal intensiv zu arbeiten an den Themen, die sie morgen beschäftigen werden. Parce qu'il nous donne un cadre aussi dans lequel on peut s'orienter, dans lequel on peut bouger. Mais tu as tout à fait raison, ça peut être très dangereux. On a parlé des flyers avec Pierre, Facebook. Est-ce que vous voyez des choses? Téléphonie mobile, tu as parlé de la téléphonie mobile. Durchaus kontroverse, immer aber konstruktive Diskussionen. Ich wünsche Ihnen eine anstrengende Konferenz mit einer kleinen Verschnaufpause heute Abend hier, damit die Akteure, damit unsere Partner im deutsch-französischen Jugendaustausch auch in Zukunft die Nase vorn haben und damit das deutsch-französische Jugendwerk, dieses schönste Kind des Élysée-Vertrags, auch in Zukunft seiner Rolle gerecht wird, die Bande zwischen deutschen und französischen Jugendlichen enger zu knüpfen. Eine gute Konferenz. De Français et d'Allemands qui sont passés par les programmes d'échange et qui ont participé à l'élaboration de l'amitié franco-allemande. Mais la tradition, c'est pas seulement conserver les cendres, c'est aussi produire de nouvelles étincelles. C'est dans cet objectif que nous avons été réunis et que vous avez travaillé ensemble. Quasi Multikulturalität in unterschiedlichster Beziehung sind konsequent ausgedrückt in der Art und Weise, wie man das Teilnehmerfeld zusammen ausgewählt hat. Voilà, für Sie ist die Arbeit jetzt erstmal zu Ende. Für uns im deutsch-französischen Jugendwerk fängt die Arbeit jetzt richtig an, wird sehr schnell und sehr konkret darum gehen, was wir von Ihren Vorschlägen, die Sie uns gemacht haben, für das nächste Jahr schon umsetzen werden. C'était pour nous un pari de vous proposer ce genre de manifestation pour un anniversaire. Mettre en place donc une conférence de ce type, une conférence qui, à mon avis, est de qualité et sur laquelle nous pourrons préparer l'avenir. Effectivement, nous vous remercions beaucoup. Nous avons pris beaucoup de plaisir de travailler avec vous ces 2 jours et demi. Vielen Dank und gute Heimreise.